Eh bien, salut tout le monde, c'est Rattrus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 pour faire comment faire des Q-scopes et les règles au sniper. D'abord, il y aura des classes. D'abord, pour faire une partie, vous allez dans. Vous choisissez n'importe quelle map. Moi, par exemple, je choisis Nuketown. Voilà, on prend mêlée générale pour au sniper. Vous mettez limite de temps. Illimité général, vous allez dans général. Si vous voulez mettre radar actif, c'est constant. Et là vous allez dans santé et dégâts, vous mettez 30%. Voilà. Et là dans les classes, vous mettez 17. Choisir autoriser 17. Ok, 17. Si, parce que les 17 c'est pour voyez en haut les barres bleues. La paire blanche, je veux dire, excusez-moi. Bah, ça c'est tous les accessoires normalement en ligne. On a que 10 et là on en a 17 grâce à ce truc. Regardez, on en a 10 là. Mais par contre, quand on va ici, grâce à la règle que j'ai choisie, bah du coup on pourra faire 17 équipements, tout ça. C'est cool, non? Bon, bref, voilà, on a fait les règles. Limite de temps, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas trop bien fait. Illimité, vous mettez illimité, constant, santé dégâts 30%. Et là, vous marquez, là vous faites 17, très important le 17. Et là, vous choisissez n'importe quel spécialiste, peu importe, qu'il soit pas meurtrier ou meurtrière, peu importe. Vous choisissez, voilà quoi. Moi, par exemple, j'ai choisi camouflage actif. Et d'abord, on doit prendre un sniper qui tire une seule fois, qui réarme. Du coup, ce sera pour moi, ce sera le Locus, parce que il y a aussi tir à rafale et tu tires après tu réarmes. Ça c'est plus facile. Voilà. Moi, je suis tout seul. Je vais juste vous montrer comment on fait. Mêlée générale. Voilà, vous savez, le sniper. Voilà, moi je vous conseille de faire une classe à 17 et une classe à 10, parce que peut-être si quelqu'un vous invite, bah ce sera mieux d'avoir les deux classes quoi. Donc bref, moi j'ai les Locus en diamant. Voilà. Bon, là si vous avez un ennemi devant vous, vous avez juste à. En fait, nous, quand on vise, en français on appelle du. En anglais, en français, quand nous on vise, voilà, on vise quoi. Mais en anglais, ça s'appelle hardscope. On n'a pas le droit de faire du hardscope. Nous, ce qu'on veut, c'est des Q-scopes. Du coup, les Q-scopes, c'est comme ça. Boum. Si vous faites comme ça pendant au moins une demi-seconde. C'est du hardscope. Voilà, faites comme ça. Boum. Boum. Et boum. Voilà. Comme ça. Les Q-scopes, je vous répète pas. Bim. On a pas temps de viser et de prendre sa respiration. Parce que quand on respire, vous avez entendu? Regardez. Normalement, vous l'entendez quand le personnage il respire. Ça c'est très mauvais. Ça s'appelle du hardscope. Les Q-scopes, y a pas que de près qu'on peut tuer, de loin aussi. Dame, Q-scope. Il y a aussi des flashcopes. Des flashcopes, c'est quand le viseur n'est pas, on le voit pas dans l'écran. Comme ça, tac. On n'a pas le temps de voir. Là, par contre, là, ça s'appelle du Q-scope. Parce que là, regarde, là on voit le viseur. Et du coup, là, qu'on voit pas le viseur. C'est du flashcope. Et les noscopes, c'est quand on vise pas. Je vais vous montrer. On tire comme ça, boum, on vise pas. On tire comme ça, on tue le mec. D'abord, il y a. Si vous faites du Q-scope, ce sera bien fait dans les règles. Ce sera fait dans les règles. Comme ça, boum. Là vous êtes comme ça. De nuit. Là si vous faites. Là ça s'appelle du hardscope. Vous visez longtemps. Alors que. Voilà. Il faudra toujours prendre
une classe. Faudra pas prendre le dragon parce que lui il tire à rafale. Et faudra soit prendre le SVZ ou soit prendre le locus. Du coup, moi je préfère le locus vu que tout le monde le joue. Je joue aussi au locus. Et c'est le meilleur des snipers parce que ça vise extrêmement rapidement. Regardez, boum. Alors que voilà quoi. C'est mieux, c'est. Vous voyez quoi. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Ricknus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.